Un événement très important puisque effectivement c'est un salon qui accueille chaque année à peu près 5000 visiteurs qui sont principalement des jeunes de première et de terminale qui sont en quête d'informations pour construire leur projet d'orientation puisque nous sommes dans une période stratégique puisque la plateforme Parcoursup va ouvrir dans quelques jours, c'est la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur sur laquelle les jeunes doivent faire des vœux et donc c'est en ayant toutes les informations qui leur sont utiles, qui vont construire ce projet. Et ce salon est un temps fort qui leur permettra d'avoir toutes les réponses aux questions qu'ils peuvent se poser. On a des élèves de 3e qui vont vouloir des informations sur les poursuites après le collège, c'est-à-dire est-ce que je vais faire un bac pro, est-ce que je vais faire un bac général ou un bac technologique. Ensuite, on a des élèves aussi qui sont en seconde, qui eux vont plus rechercher des informations après la seconde, plutôt bac techno, bac général et éventuellement pour les poursuites d'études. Et là, on voit aussi beaucoup d'élèves de terminale qui s'inquiètent pour les vœux sur Parcoursup. Donc là, les jeunes viennent chercher des informations majoritairement sur les formations. Et vous voyez sur notre stand CIO, on a énormément aussi de monde parce qu'ils ont des questions précises sur l'orientation et besoin d'être conseillés. C'est pour aider à mieux orienter nos étudiants. Grâce à Omnes Education, nous avons un parcours pour chaque étudiant. Donc nous avons des parcours dans l'international ou en sciences politiques, en BBA INSEC ou en Bachelor INSEC ou au programme Grand École. Très heureux et honoré de ce deuxième prix au niveau national pour les villes où il fait bon étudier. Prix remis par l'étudiant qui a 16 critères pour sélectionner les villes et notamment sur la qualité d'accueil, sur le taux de succès dans le cursus universitaire, sur l'ouverture internationale et 94% des étudiants qui sont passés par Chambéry qui recommandent de venir faire des études à Chambéry et notamment à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Les étudiants, ils cherchent à avoir une formation qui correspond à leur profil. Donc là, nous, on les met en relation avec toutes les formations de tout secteur qui sont susceptibles de les renseigner. Donc vous avez des filières scientifiques, des filières économiques, des filières de santé. Donc là, c'est vraiment un salon dans lequel on peut retrouver une exhaustivité, en tout cas la plus forte possible, de tout l'offre d'enseignement supérieur, qu'il soit local ou régional ou voire national. Et puis après, vous avez là des psychologues de l'éducation nationale aussi qui sont là pour les renseigner lorsqu'ils ne savent pas véritablement quoi faire, pour définir et affiner avec eux en tout cas un projet qui pourrait potentiellement leur correspondre à leur profil. On a la chance d'avoir beaucoup de monde qui est intéressé par les différentes formations que l'on dispense. Alors évidemment, on est sur des BTS, il y a 6 BTS pour la rentrée prochaine avec des formations soit en initiale ou soit en apprentissage. Donc c'est toujours intéressant de dessiner avec la famille et le jeune quel est le profil qui va l'intéresser. Et puis quand on parle aujourd'hui de BTS, on va évidemment parler d'une troisième année. Donc cette troisième année que nous avons en partenariat avec le CNAM permet justement du coup de proposer des licences plutôt en apprentissage, voilà, qui donnent aussi de très bons résultats. Alors ils sont très intéressés, ça dépend encore de leur profil, ils sont très intéressés tout ce qui est international parce qu'ils ont envie de partir cette fois-ci. Mais également ils voudraient avoir un accompagnement, donc des structures des fois un petit peu plus organisées. Des petites structures plutôt 40 par classe, pas plus, un accompagnement pour les aider justement dans leur orientation, donc des career centers ou des services de relations internationales ou un accompagnement juste au niveau des admissions. Alors c'est un lycée qui est un lycée de vallée, donc on accueille tous les élèves qui souhaitent faire une formation dans la vallée, donc on est ouvert sur beaucoup de formations. Notre spécificité, c'est d'ouvrir un maximum de formations pour donner un maximum de choix d'orientation pour les élèves en restant sur la vallée de la Maurienne. Alors sur ce salon, on a beaucoup de questions sur des filières un peu spécifiques comme les nôtres, le bac pro SN, l'hôtellerie, etc. C'est-à-dire on a des filières qui sont beaucoup demandées et on est peu d'établissements à le proposer. Et puis sinon, c'est des informations sur les poursuites d'études, y compris, surtout après le bac, sur des choix par rapport à des choix de métier, à des choix d'orientation. C'est beaucoup des demandes sur de l'orientation. En fait, notre objectif, c'est que lorsqu'on vienne à Chambéry, on soit heureux d'y étudier, qu'on soit bien accueilli, qu'on trouve un logement facilement, de savoir aussi qu'une filière professionnelle est disponible pour la fin du cursus. Et puis, c'est
d'élargir le panel à l'échelle internationale. Et moi, je suis très, très heureux que nous soyons l'université française sur laquelle il y a le plus de programmes Erasmus, c'est-à-dire d'échanges avec des pays étrangers. Et aussi, pour dire aux étudiants étrangers qu'ils sont les bienvenus à Chambéry, il y en a 3500. C'est aussi améliorer la culture chambérienne et une ouverture sur le monde. Bah, la Savoie, en tout cas Chambéry, c'est plus de 13 000 étudiants. Je disais, en tout cas, c'est une ville aussi où il fait bon étudier, puisqu'on a sorti un palmarès où elle est deuxième du palmarès des villes où il fait bon étudier en France dans sa catégorie. Voilà, un taux de réussite en licence qui fait partie des meilleurs au niveau national. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme chiffres ? Il y en a pléthore, mais en tout cas, vous avez, sur notre site notamment, vous pourrez aller voir précisément quels sont tous les critères qui font que la ville de Chambéry, notamment, est une ville attractive où il fait bon vivre et étudier.